redressement de la Jirama, le PCA dévoile la feuille de route. La performance financière de la Jirama s'est dégradée depuis 10 ans et s'est aggravée ces 5 dernières années. En effet, si les recettes se situent entre 600 à 700 milliards d'ariages, les charges atteignent les 1200 milliards d'ariages, selon les précisions apportées samedi dernier au DLC Anus par Soulien Adjemalapsour Samuel, président du conseil d'administration de la Jirama. Un accent particulier sera mis sur les dépenses. Les actions à entreprendre entre 2019 et 2020, telles que prévues par la feuille de route présentée samedi dernier, s'articuleront notamment autour de la réforme de la gouvernance, l'amélioration de la performance opérationnelle et l'apurement de la dette de la Jirama. À l'issue de ce redressement, la société d'État se focalisera sur l'investissement et l'amélioration de la qualité de service offerte à ses abonnés. Un sursaut sera ainsi réalisé à l'interne pour instaurer une gouvernance proactive. Un comité d'investissement ainsi qu'un comité juridique et gestion des actifs passifs seront mis en place. Ce dernier sera chargé de donner les directives en cas de contentieux entre la Jirama et ses partenaires et clients, suivre la négociation des divers contrats avec les fournisseurs de la Jirama d'une part et l'apurement des passifs et l'encaissement des actifs circulant de la Jirama d'autre part. Par ailleurs, des actions permettront d'économiser 366,3 milliards d'ariages. Pour réduire les dépenses, il importe de maîtriser les approvisionnements en carburant. De l'avis du PCA de la Jirama, l'importation directe de carburant éviterait de passer par les intermédiaires. Un autre défi est celui d'améliorer la performance opérationnelle de la Jirama. Cela passe par la réduction des pertes techniques, la lutte contre les pertes non techniques, l'optimisation de la production dans les centres isolés, ainsi que l'optimisation des achats de carburant et enfin l'augmentation du taux d'encaissement. L'on apprend que les compteurs au niveau de l'administration publique seront également changés prochainement en compteurs prépayés. La réduction des coûts d'exploitation ainsi que la révision des contrats de location des groupes par la rénovation des groupes électrogènes moins consommateurs en carburant est tout aussi importante. Pour que la Jirama puisse augmenter ses revenus, des activités connexes sont prévues comme la commercialisation des accessoires liés à l'eau et à l'électricité nécessaires à la vie quotidienne des abonnés à travers le projet Jirama Shop ou d'autres projets comme Jirama Ingénierie ou Jirama Partners.